C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla de école, bla bla tous les élèves, bla bla bla, gagner un prix. Quoi? Gagner un prix? Dis-moi Lucas, est-ce que par hasard tu aurais une petite idée de ce que je suis en train de dire? Bah non. Est-ce que tu as jamais eu la moindre idée de quoi il s'agit quand je parle? Non. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Lucas de quoi il retourne? Moi, Miss, moi, moi! Oui, Salomé! Vous parliez du concours qui va avoir lieu dans l'école, Miss! Il va y avoir un concours? Oui, c'est exactement ça! Il s'agit d'un concours auquel tous les élèves des différentes classes pourront participer! Et pour cela, il suffit de lire un livre! Lire un livre? Mais c'est horrible! Moi, celui qui lira le plus de livres gagnera un prix tout à fait exceptionnel. Ah, c'est vrai? Eh bien, moi, je peux déjà vous dire que je lirai au moins 15 livres. Oui, 15 livres. Moi, comme j'ai envie de gagner, je vais en lire 16. Et moi, 17. Moi, je dis 22. Et moi, 27, Miss. Eh bien, ça fait vraiment très plaisir de vous voir aussi motivé et enthousiaste. Il va de soi que vous me remettrez une fiche de lecture pour chaque livre que vous aurez lu. Hein? Oui! Et voilà, le cours est fini! Ha! Je parie que tu n'as pas lu un seul bouquin de toute ta vie! Un seul bouquin de toute ta vie? Bien sûr que si! Et le concours, c'est moi qui vais le gagner! Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer! Pourquoi ils n'ont pas pensé à un concours plus rigolo? Comme par exemple un concours de gros mots ou du prout le plus bruyant? Là, je gagnerais à tous les coups! J'ai emprunté à la bibliothèque pour le concours. Tu perds ton temps, Limace. Je vais gagner et personne d'autre. Toi? Mais il faut lire des livres. Et alors? Regarde toi-même tout ce que j'ai déjà lu. Ce sont des bandes dessinées, ça ne compte pas. Bien sûr que si. Émile a raison. Pour participer, il faut lire des livres, pas des BD. Un livre. Un livre. Je veux un livre. Ah oui, c'est vrai. Je n'en ai jamais eu, moi, de livre. Dis, tu lis quoi, Limace? Une histoire de couche-culotte. Hein? Oh. Gentil, couche-culotte picote des biscottes à la bergamote avec Charlotte. Donne, il est à moi! T'énerve pas, je veux juste le lire. Je te le rendrai quand j'aurai fini. Oh, non! Je peux savoir ce que vous fabriquez? C'est Lucas, il veut me prendre mon livre! C'est vrai, mais en même temps, il en a plein! Vous voulez dire que vous vous battez pour un livre? Oh, c'est sûrement un rêve! Dis, maman, comment ça se fait que je n'en ai aucun? Réfléchis, Lucas, je suis sûre que ça va te revenir! Mais si je veux gagner le concours, il faut que je lise. Et on ne m'aide pas beaucoup. Il faut que je trouve une solution. Rapidement. Oh, mais je pourrais peut-être en emprunter quelques-uns. Oui, je le prends. Celui-là aussi. Et celui-là? Hein? Et si je lis des livres aussi gros, elle ne gagnera jamais? Les filles sont super. Les filles sont les meilleures. Être une fille au quotidien. Comment battre les garçons? Oh non! Oh, 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 oh.
m'empêchera pas de gagner le concours. Ah oui, tu crois? Alors fais-toi aider par un rat de bibliothèque. Non, tout le monde m'empêche de lire des livres. Lucas! Oh! Lucas! Oh, il est pour moi? Oui, c'était mon livre préféré quand j'étais petite. Merci, oh, dis donc, il est drôlement lourd. C'est un livre de contes de fées, il y en a beaucoup. Ah oui, des contes de fées? Bon, les contes de fées, c'est pour les bébés. Si tu ne le veux pas, tu n'as qu'à le laisser. Oh, d'accord, c'est bon, je le prends. Il était une fois dans un pays à l'autre bout du monde. Oh, une fillette du nom de Blanche-Neige. Une fillette du nom de Blanche-Neige. De Blanche-Neige. Blanche-Neige. Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon petit frère Émile, Émile Docile, la poule mouillée. Et franchement, à ta place, j'aurais honte. Non, je suis Blanche-Neige et je suis venue pour t'aider à lire un livre. Tu dis n'importe quoi. Tiens, tiens, mais qui va là? Salomé m'a luné. Connais-tu ce voleur de livres qui, pour la lecture, ne s'est jamais donné de mal? Voleur de livres, ton sort est le suivant. Voleur de livres, lire, je te le défends. Lucas Nakata est son surnom. Et c'est un véritable petit frépon. Tu ne pourras plus jamais lire. Tu ne pourras plus jamais lire. Lucas! Non! Eh oh, Lucas, réveille-toi! Oh, non. Regarde, j'ai écrit plein de fiches de lecture des livres que j'ai lus. Oh! Maman m'a dit que je pouvais lire celui-là. Tu n'as pas oublié, demain c'est le dernier jour du concours. Oh! Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plein de fiches et gagner le concours? Maman! Oh? Ça y est, j'ai encore terminé une fiche de lecture! Hey, voilà comment! Bousculotte et ses compatriotes sont partis à Mayotte dans une roulotte. Oh. Il n'y a que cette espèce de poule mouillée pour aimer des histoires aussi stupides. Pas étonnant, c'est encore un bébé en couche-culotte. 5, 6, 7 fiches en tout. Ça ne va pas, je suis encore loin du compte. Oh non, il m'en faudrait beaucoup plus et vite. Oh, c'est vraiment pas de chance qu'il n'arrive pas plus d'aventures à couche-culotte. Eureka, j'ai trouvé! Il est impossible que Miss Mégère ait lu tous les livres de la planète. Je suis sûre qu'elle n'a pas lu Couche-culotte en voyage en Allemagne, Couche-culotte en voyage à Paris, Couche-culotte en voyage à New York et Couche-culotte au Japon, en Australie, au Canada. Les enfants, je suis très heureuse de vous annoncer que l'élève qui a gagné notre grand concours interclasse est... Avec mes 27 fiches de lecture, le premier prix est dans ma poche. Mademoiselle Salomé qui nous a remis pas moins de 28 fiches. Non. Ouais. Salomé? Non. Oh, si j'avais su, j'aurais envoyé couche-culotte sur la lune. Ma chère Salomé, tu as toutes mes félicitations. Eh bien, il semble qu'il y ait une petite erreur. Salomé, tu as fait deux fois la fiche, les filles sont super. Mais non, je n'ai pas fait ça. Si, tu l'as fait. Ce qui veut dire que nous avons deux élèves ex aequo avec 27 fiches de lecture établies par Salomé et Lucas. Oui, je l'ai eu, je l'ai eu. Alors Lucas, ce que je vois, tu es vraiment un inconditionnel des aventures de couche-culotte. Je ne peux pas dire que je suis familiarisée avec ce personnage, mais peu importe. Vous avez tous les deux gagné le concours. Et voici votre cadeau. Vous allez travailler toute une semaine dans la bibliothèque de l'établissement scolaire. Trop, c'est trop.